Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, toi qui es l'alpha et l'oméga, le début et la fin de toutes choses. Père, tu me permets de prêcher à ton peuple ce matin, Seigneur. Seigneur, et vraiment, toi seul, tu parles à un cœur ce matin. Si nous sommes là, c'est pour t'entendre. Nous ne sommes pas seulement venus pour la communion fraternelle, mais nous sommes aussi venus pour toi, pour écouter et entendre une parole. Et un cœur sera guéri, Seigneur. Et un cœur sera fortifié, relevé. Et un cœur sera fortifié. Père, tu m'as choisi encore ce matin pour annoncer et prêcher ta parole. Que je m'efface complètement, que toi seul tu parles à ton peuple ce matin. Que ma bouche ne soit plus ma bouche, que ce soit la tienne. Que tout ce qui est en moi, Seigneur, exprime ta présence. Et que ton onction délivre nos cœurs ce matin au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu vas encore te manifester pleinement. Tu vas encore manifester ta gloire et ta puissance au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux mettre la main droite sur ton cœur? Tu peux l'écouter battre. Et tu vas lui dire, Seigneur, me voici. Répète après moi, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Voici mon cœur. Voici mon cœur, Seigneur. Que je ne sois pas venu en vain ce matin. Que je sorte ce matin avec une parole. Avec une parole qui va me guérir. Qui va me fortifier. Seigneur, que mon cœur reçoive ce que tu as prévu pour moi ce matin. Et ne laisse pas le diable me le voler. Que cette perle que tu vas déposer dans mon cœur puisse être une nouvelle révélation pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu et on acclame le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Soyez bénis dans le beau nom de Jésus. C'est une grâce, c'est un privilège de nous retrouver encore dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il dit que là où deux ou trois sont assemblés, il est là au milieu de nous. Amen. Donc, croyez que tu es là. Amen. Amen. Tu n'as pas fait le chemin pour rien. Amen. Parce que quand on vient en présence de Dieu, on n'est jamais confus. Amen. 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 Et ma prière pour toi ce matin, que tu ressens, peu importe la difficulté, le problème avec lequel tu es venu ce matin, peu importe le poids, peu importe le jour, que tu le laisses ce matin ici et que tu sortes libéré et léger ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ce matin, je vais continuer. Le Seigneur vous sait qu'il m'a mis à cœur de continuer sur les fruits de l'esprit. Amen. Amen. Sur les fruits de l'esprit. La dernière fois, j'avais parlé de la joie et je vais continuer sur la joie du Seigneur. Amen. Amen. Aujourd'hui, on voit les visages des chrétiens, tu as l'impression que Jésus-Christ n'est pas dans leur vie. Les visages sont fermés, les visages sont déterminés par rapport à ce qu'on vit, les problèmes de papier, les problèmes d'argent, les problèmes de couple. Amen. Amen. Les visages sont attristés comme les gens du monde. Ça veut dire que notre joie dépend maintenant de notre argent. Dès que tu as un héros ou deux héros, tu es en joie. Dès que tu n'as pas, ça c'est ferme. Dès que tu n'as pas les papiers, ça c'est ferme. Dès que tu as les papiers, tu es en joie. Et c'est pas ça la volonté de Dieu. Amen. Amen. Le diable est venu te voler la joie. Ta joie maintenant est déterminée par les choses de ce monde. Alors que ta joie doit être déterminée parce que tu as Jésus dans ton cœur. Parce que tu as Jésus dans ta vie. Amen. Je vous dis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parfois, on perd cette perle. On perd cet élément en nous. Dès qu'on l'a perdu, on devient comme les gens du monde. Notre visage est attristé, fermé. Quand on est au travail, on ne sait plus si tu es chrétien ou si tu n'es pas chrétien, parce qu'on a le même visage que les gens du monde. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Amen. Amen. Ce n'est pas ce que Dieu veut de nous. Notre joie doit être une joie en permanence. Une joie en permanence. Amen. Amen. Parce que notre joie ne dépend pas de ce que nous vivons sur cette terre. Notre joie dépend de Dieu et dépend du fait que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Beaucoup ne le savent plus. Beaucoup ont oublié même ça. Ils ne se rappellent plus que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, mon nom est inscrit dans le livre de vie? Mon nom est inscrit dans le livre de vie.
Je vous dis, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on est inscrit dans le livre des vies, en fait, quand tu te rappelles de ça, quand tu es conscient de ça, quand tu sors, les choses de ce monde ne peuvent plus t'attrister. Qu'est-ce qui t'attriste ce matin? Et laisse-moi te dire que ce matin, cette joie que le Seigneur va mettre dans ton cœur, ou a déjà mis, ça va dominer sur les problèmes qui ont voulu t'attrister. Parce que le diable met plusieurs problèmes pour que ton visage, ta tristesse, soit en permanence dans ta vie. Mais dans le nom de Jésus-Christ, au sorti de ce moment, je crois que le Seigneur va transformer ton visage. Ta joie va attirer les choses. Amen. 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 Je vais prendre le passage de Néhémie 8. Nous allons aller dans la parole de Néhémie 8. Je vais beaucoup lire quand même là ce matin. Néhémie 8, verset, à partir du verset 1. Le septième mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui était devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrit par l'Éternel à l'Israël. Et le sacrificateur Esdras apportait la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matitia, Shema, Anadja, Uri, Ilkija et Maeseja. Et à sa gauche, Pidaja, Miskaël, Malkija, Ashkum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Lorsqu'il eut ouvert tout le peuple, s'éteint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent, se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué bannit Sherebia, Jamin, Akub, Shabetaï, Odija, Maeseja, Kelita, Azaria, Josabad, Anan, Pelaja. Et les Lévites expliquèrent la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe et les lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Il leur dit, allez manger des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez les portions à ceux qui n'en ont rien préparé, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. 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 Limité, là. La joie de l'Éternel sera votre force. Amen. On voit dans ce passage, je vais pas aller encore plus en profondeur, je vais juste résumer que Néhémie, le peuple était attristé, le peuple était abattu parce que les murs de Jéricho, les murs de Jérusalem étaient cassés, la ville était déserte. Vraiment, ils étaient dans une grande désolation. C'est comme aujourd'hui, tu peux être dans une grande désolation. Peut-être que tu n'arrives plus à dormir. Tu as des nuits blanches. Tu as des cauchemars. Tu n'arrives plus à manger normalement. Ou quand tu sors, tu as peur tout le temps parce que tu ne sais pas où tu en es. Mais quand on voit Néhémie qui leur donne des conseils, leur dit, mangez, allez-y manger, buvez, faites la vie de tous les jours. Car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Amen. Nous allons aller dans Galates. Galates 5. Nous allons comprendre que la joie du Seigneur n'a rien à voir avec la joie du monde.
Galates 5, verset 22. Si quelqu'un arrive à la page, je vais laisser quelqu'un lire si vous voulez. Merci Seigneur. Galates 5, verset 22. Si vous n'y êtes pas, je vais lire. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la loi, c'est plutôt la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Amen. Je vais relire par ma version. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. La joie fait partie des fruits de l'esprit. Quand on parle de fruits de l'esprit, en fait, c'est dans le Saint-Esprit. Donc, quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu normalement le fruit de l'esprit. Mais comment faire pour que ça se manifeste? Il faut le travailler. Amen. Même quand tu n'as pas envie d'être en joie, tu travailles la joie. Ce n'est pas naturel, la joie du Seigneur. Ce n'est pas la joie des hommes où tu as, comme j'ai expliqué tout à l'heure, tu as reçu une somme d'argent, tu es content. Quand tu n'as plus, c'est bon. La joie du Seigneur est en permanence. Ça veut dire que même quand tu es dans les difficultés compliquées, tu es dans les choses où on te dit vraiment tout est fini. Mais c'est cette joie, tu souris tout le temps. Tu es tout le temps dans la joie. En fait, les gens peuvent même te prendre pour les maboules. Tu dis, mais il est ma boule, il rit tout le temps, qu'est-ce qui lui arrive? La joie du Seigneur, c'est une joie en permanence. C'est-à-dire que peu importe les difficultés que tu as en tant qu'enfant de Dieu, tu devras avoir cette joie. Et cette joie doit se manifester pas seulement dans notre cœur, mais on doit le voir sur notre visage. On doit le voir dans notre... La dernière fois, je disais qu'on doit même le voir dans notre façon de nous habiller. La joie du Seigneur se reflète même par la façon dont on s'habille, dans la façon dont on se maquille, la façon dont on fait des choses dans la vie. Est-ce que tu as cette joie-là? Amen. Amen. C'est des armes que le Seigneur nous a données. Les fruits de l'Esprit, c'est des armes qui nous permettent d'affronter des difficultés tenaces, d'affronter des choses compliquées dans nos vies. C'est une arme. Quand tu es dans la joie, tu attires aussi des bonnes choses. Amen. Amen. Il remarque quelqu'un qui est tout le temps nerveux. Ça n'attire pas les gens. Quelqu'un qui est tout le temps le visage fermé, en colère. Ça, tu ne vas pas attirer les gens. C'est une arme que le Seigneur nous a donnée. Amen. Amen. Même les gens du monde ont compris que la joie, même si ce n'est pas la joie du Seigneur, ils ont compris que la joie est une arme pour pouvoir faire des choses. Même quand tu es un homme, tu es célibataire, tu vas aller draguer une femme qui est tout le temps nerveuse, tu auras même peur. Amen. Est vrai ou faux? Tu vas être plus attiré par une femme souriante, une femme aimable. Tu ne peux pas être attiré par un homme ou une femme ou un homme qui est tout le temps en train de... qui est fâché, qui est toujours en colère, le visage fermé. Tu auras même peur. Les gens du monde ont compris cela. Même quand ils font des publicités, quand vous les voyez faire des... ils donnent des prospectus aux gens dans la rue, vous les voyez le visage. Leur visage n'est pas fermé. Toujours le sourire. Toujours la joie. Tu te dis, mais c'est quelle joie qu'il leur donne. Parce que les gens du monde ont compris que la joie du Seigneur est une arme. Amen. Quand tu es constamment dans la joie, tu attires des bonnes choses. Je vous dis la vérité. Quand tu es constamment dans la tristesse, tu attires aussi des choses tristes dans ta vie. C'est pour cela que le Seigneur nous a donné cette marque. C'est un sceau que le Seigneur a mis sur nous. Et il faut la cultiver. Ce n'est pas naturel. Là, j'ai cité les fruits de l'esprit, l'amour. Est-ce qu'on est né dans l'amour naturellement? Ce n'est pas l'amour agapé. On est né avec l'amour du monde, l'amour avec intérêt. L'amour de Dieu, l'amour agapé aussi se cultive, les fruits de l'esprit se cultivent. Et Dieu nous a laissé ces armes-là pour pouvoir dominer sur les œuvres du diable, sur les œuvres des ténèbres, pour pouvoir dominer sur des situations qui nous dépassent. Elle est passée où ta joie? La joie, quand tu t'es converti, Dieu t'a déposé cette joie-là. Le premier jour de ta conversion, tu avais l'impression que tu étais déjà au ciel. Tu avais une joie en permanence. Elle est passée. Le diable a réussi à t'éteindre cette joie-là. Mais je prie pour toi ce matin que tu retrouves ce fruit du premier amour. Amen. Amen. Cette joie que tu avais quand tu as connu le Jésus, tout le monde l'a connu.
quand soit moins que tu n'aies pas rencontré le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais c'est tout le monde le vit. Quand tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu as une joie. Comme si tu avais reçu une perle. Le Seigneur Jésus parle de perle. Ça veut dire que tu as reçu une pierre précieuse. Et tu es constamment en train de la chérir. Et le Seigneur veut que cette joie soit en permanence comme ça pour nous. Je vous le dis. Et le Satan a réussi à t'éteindre cela. Alors que c'est une arme que le Seigneur a placée en toi. Pour pouvoir t'acquérir des choses. Pas seulement les choses du ciel. Les choses de la terre. Si tu es constamment attristé dans ton travail, comment tu vas attirer de bonnes personnes qui peuvent t'ouvrir d'autres portes? Si tu es constamment dans la tristesse, tu veux aussi attirer les hommes à tristesse, hein? Mais quand tu es dans la joie, quand tu rayonnes la joie de Dieu, la joie du Seigneur, tu vas voir que les choses vont venir tout seules. Je vous le dis, c'est par expérience que je parle. Amen. Donc, changez d'attitude. Cultivez la joie du Seigneur. Demandez à Dieu, Seigneur, donne-moi de refléter ta joie. Que tu aies la chose, que tu n'aies pas la chose. Donne-moi, Seigneur. Parce que c'est des armes que le Seigneur nous a données pour pouvoir acquérir des situations, pouvoir acquérir des choses. Vous imaginez, tu vas à un entretien d'embauche, tu vas tout juste, mais l'employeur va même dire, vas-y, mais c'est quoi cette histoire? Tu vas juste, oui, mais oui, monsieur, bonjour, madame, mon Seigneur. J'imagine la scène. Voilà mon CV. Même, tu vas même décourager le recruteur. Il sera même dégoûté, quoi. Même si tu as un bon CV, il va même pas regarder le CV, il va juste regarder ta tête. Même quand tu vas à un entretien d'embauche, on regarde même ton apparence. Vrai ou faux? Vrai. On regarde comment tu es. Est-ce que tu as de l'assurance? Est-ce que tu as la joie? Est-ce que tu reflètes quelque chose qui va attirer de l'argent? Ou qui va faire partir, qui va faire avancer l'entreprise. Si les gens du monde ont compris cela, toi chrétien, tu es encore en train de tirer ton sac, alors que tu as Christ et Dieu t'a déposé ça en toi, utilise cette arme-là pour pouvoir affronter les choses, pour pouvoir acquérir des choses dans la vie. Amen. Amen. Le fruit de l'esprit, c'est pas pour le ciel. C'est pour mieux vivre sur cette terre. Pour que les portes s'ouvrent. Pour que beaucoup de portes s'ouvrent. Même si tu es dans un foyer ou dans une petite chambre, quand tu sors, sors comme si tu étais dans une grande maison. C'est comme ça qu'on vit les fruits de l'esprit. Amen. Amen. C'est pas j'ai ma petite chambre là, je dors par terre. Donc, oh, tout de suite, là, quand tu vas sortir, on va tout de suite sentir que tel là ou celui-là est dans un foyer, lui est dans une chambre. Je vous le dis. Mais quand tu sors avec la joie du Seigneur, les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'elle est là? Tout le monde va être attiré, les gens vont même vouloir te bénir. Parce que cette joie-là va se communiquer. Regarde quand tu vois quelqu'un en joie. Même quand tu vois quelqu'un rire, toi-même tu as envie de rire. Parce que la joie se transmet. Amen. Amen. Excusez-moi. Je suis un peu enrhumée. La joie du Seigneur est une marque du chrétien. Je vous dis, c'est une marque. Si vous ne la cultivez pas, si vous ne l'utilisez pas comme arme pour pouvoir détruire et renverser les œufs, parce que le rôle du diable dans notre vie, c'est de nous attrister. Parce qu'il sait que quand tu as le visage attristé, tu n'attires pas grand-chose. Tu ne peux pas faire grand-chose. Le rôle du diable, c'est ça. Quand tu as compris que le diable veut que chaque jour tu sois attristé par une situation, tu dois cultiver la joie. Tu dois monter toujours dans la joie, dans la joie, dans la joie. Et comment on la cultive? Par la prière. Amen. C'est pas seulement je vais à la joie, non, c'est par la prière. On la cultive par la lecture de la parole de Dieu. On la cultive par les louanges. Amen, amen. Mets beaucoup de louanges dans ta vie. Est-ce que tu mets beaucoup de louanges dans ta maison tous les jours? La joie du Seigneur se cultive par toutes ces choses. Ça ne vient pas seulement comme ça. Et on la conserve aussi par la louange. Quand tu es constamment dans la louange, tu vas voir que la joie va commencer à monter, à monter. Tu seras constamment en train de louer le Seigneur. Parce que la joie du Seigneur s'accompagne par la louange. Amen. Amen. C'est une façon de louer Dieu quand tu es dans la joie. C'est une marque du chrétien. Ou une marque de l'église. Ça veut dire que quand on voit les chrétiens nous voir en joie. Est-ce que quand on te voit en tant que chrétien, on te voit en joie? Est-ce que tu donnes envie à quelqu'un de venir
C'est pour ça pourquoi tu as la joie. Qui tu vas influencer si tu es aussi attristé comme le païen? Parce que tu as un souci. Alors que le Seigneur t'a donné la joie de dominer. Parce que quand tu es attristé, forcément les mauvaises idées pensent, viennent. Les mauvaises pensées. Tu commences maintenant à commencer à chercher des bricolages, des choses à gauche, à droite. Mais quand tu as la joie, Dieu va t'inspirer aussi de belles choses. Il va t'inspirer pour dire, la joie du Seigneur t'amène forcément dans la lumière. Vous imaginez l'impact que la joie peut entraîner dans vos vies? Amen. Amen. Les gens qui s'habillent en deux, en noir, toujours en noir. Je suis noir, cheveux noirs, peau noire. Déjà tu es noir, tu vas encore t'habiller en noir. La joie du Seigneur est une marque du chrétien. C'est une qualité. Amen. Amen. La joie s'exprime par l'enthousiasme. Est-ce que tu es enthousiasmé? Le compte des frères, ça va? Oui, ça va. Là, tu n'es pas enthousiasmé. Hein? Enthousiasme. On dit encore c'est bruyant, tumultueux. David dit que la joie du Seigneur, notre enfant, ça doit marquer notre communauté, ça doit marquer ce que nous sommes. C'est-à-dire que quand on voit la sœur Béatrice venir, on voit déjà le sourire. Tout on a envie de. Sœur Béatrice, viens, on va aller manger, on va faire des trucs. Mais si on te voit déjà à distance, sœur Isabelle, la personne n'a même pas envie de t'aider. Parce que déjà le visage est attristé. Amen. Amen. Quand tu commences à sourire, même la personne, tu désarmes. Même, en fait, la joie désarme les œuvres du diable. Il dit désarme. Quand tu es en face de toi quelqu'un qui est méchant, qui est méchant, si tu souris, tu vas voir comment la personne va être désarmée. Mais si tu t'énerves aussi, il va dire, ah, j'ai trouvé. Et le diable se nourrit aussi par ça, par la colère, par la tristesse. Tu es persécuté, tu as un problème. Comment ça arrive dans la joie? Commence à rigoler, à être enthousiaste. Tu vas voir que tu vas anéantir tes ennemis. C'est une arme efficace que le Seigneur nous a donnée. Tu vas voir que les ennemis vont être désarmés tout de suite. Amen. Amen. Peut-être que pour certains chrétiens, ce n'est pas nécessaire, mais le Seigneur nous a donné toutes ces armes. Les fruits de l'esprit. Quand tu les exaltes, quand tu les exprimes, les fruits de l'esprit. Je vous le dis, c'est des victoires que tu as au fur et à mesure dans ta vie. Quelle est la situation qui surpasse Dieu? Qui t'a fait couper la joie? Tu ne peux même plus sourire. Même quand tu essaies de sourire, tu sens comment les nerfs sont tirés. Parce que ça fait longtemps que tu as souri. Les nerfs tirent. Alléluia. Avec le foie en plus, c'est compliqué. Hein? Même quand tu essaies de sourire, tu sens comment ça tire. Tu dis, non, ça fait longtemps que j'ai souri. Hein? Tu as mal parce que les nerfs sont tellement tendus. Alléluia. Amen. Quand je vois les gens du monde, à la dernière fois, j'avais suivi un documentaire, l'évangéliste et moi. Ils font des stages pour rire. Ils font des stages. Est-ce que vous avez vu ça? Vous avez entendu parler de ça ou pas? Il y a des gens qui payent pour aller rire. Alors que Dieu nous a donné ça gratuitement. Il y a des gens qui vont dans des endroits, il y a des endroits où on leur c'est des stages de rire. Donc, ils n'ont pas l'habitude. Donc, quand ils vont, ils sont dans les jeux. On était choqués. Mais toi, tu as ça gratuitement. Tu n'as même pas besoin de payer. Mais il y a d'autres personnes qui rient. Pour rire, il faut payer. Vous ne vous rendez même pas compte de la grâce que le Seigneur nous a donnée, les âmes qu'il nous a données. Donc, arrête de rester sur ton truc là. Cherche les fruits de l'esprit. Mange-les, je dis, Seigneur, donne-moi les fruits de l'esprit. Donne-moi les fruits de l'esprit. Seigneur, que tu manifestes la Saint-Esprit, manifeste en moi les fruits de l'esprit. Ça doit être nos prières. Ce qui fait que ce n'est pas comme chez nous en Afrique où on verrait le soleil. Mais ici, c'est encore plus dur. Donc, si tu ne développes pas les fruits de l'esprit, mon frère, ma soeur, ce serait très compliqué. En Afrique encore, il y a le soleil. Le soleil encore peut encore te faire rire. Mais ici, quand le foie là vient, tu vois comment les glaçons là te glacent les joues. Mais si tu ne développes pas les fruits de l'esprit qui vont te permettre d'affronter les difficultés dans ton travail, dans ton couple, affronter les difficultés pour tes enfants, je te dis, mon frère, ma soeur,
On va même te traiter même de sorcier ou de sorcière parce que le visage va tellement être transformé. Amen. Il faut refuser cela. Refuser l'état où l'ennemi, le diable va vous garder dans des choses alors que vous avez des choses que le Seigneur a placées dans votre esprit pour pouvoir l'exprimer, pouvoir combattre les difficultés. Peu importe là où tu dors, peu importe ce que tu vis, si tu développes les fruits de l'esprit, la joie. D'ailleurs, moi j'avais aussi, l'évangéliste avait parlé de la persévérance. Ce sont des fruits de l'esprit. Tu les développes. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus être enseignés. Eux, c'est maintenant, oh, les bénédictions. Mais les bénédictions, tu veux les savoir comment? Tu veux les bénédictions qui viennent, qui partent, ou tu veux les bénédictions en permanence? Et quand tu développes les fruits de l'esprit, ça te permet de tenir, d'être résistant. Alléluia. Amen, amen. Ne dis pas, je cherche les fruits de l'esprit. Tu les as dans ton esprit. Quand on parle des fruits de l'esprit, c'est dans ton esprit. C'est à toi de travailler, demander à Dieu, Seigneur, manifeste cela en moi. Et Dieu va te mettre dans des épreuves. Parce que quand tu demandes quelque chose à Dieu, il va te mettre dans des épreuves pour que cette chose se manifeste. Non, ne dis pas, je demande les fruits de l'esprit sans toi. Parce que les gens sont dans l'ignorance. Comme ils ne veulent pas être enseignés, ils ne veulent pas rendre l'enseignement, ils ne viennent pas, ils ne veulent pas venir prier, ils disent, bon, Dieu va me bénir comme ça. Mais quelle bénédiction tu veux? Une bénédiction, tu es assis sur la parole, une bénédiction éphémère. Le fruit de l'esprit est en toi. Si tu as le Saint-Esprit, il est là en toi. Il attend que toi pour lui dire, Saint-Esprit, je veux manifester le fruit de l'esprit, la joie. Donne-moi la joie, Seigneur, je veux manifester la joie. Permets-moi de manifester la joie. Et tu vas travailler cette joie-là. Vous pensez quand vous voyez le pasteur, il y en a rire, je n'ai pas de problème. J'ai aussi mes problèmes, hein. Mais la seule chose que j'ai dit, Seigneur, donne-moi la joie. Cette joie-là va permettre aussi d'aider le peuple de Dieu. Amen. Vous imaginez un pasteur triste? Vous-même, vous serez même attristé, vous serez en deuil. Vous êtes un peu, mes frères et sœurs, la vie est dure, hein. Vous vous dites, amen. Mes frères et sœurs, vous savez, quand vous allez sortir là, c'est compliqué, hein. Ah, vous êtes là, oui. Mais c'est pas la peine. Ah, Seigneur, aide-nous. Amen. Amen. Mais la source de vie, c'est la joie. Alléluia. Amen, c'est la joie. Quand on rentre ici, c'est la joie. Tu peux faire le nerf, là, tu assures, on te tire, allez, hop, joie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, je voulais vraiment qu'on parle de joie encore ce matin. Je ne sais pas tout ce qui t'a attristé, tout ce qui est, qu'est-ce qui a éteint ta joie, la joie du Seigneur en toi. Tu oublies même que tu es enfant de Dieu. Vous imaginez la joie d'être enfant de Dieu? Mais tu oublies. Tu oublies même que ton, parfois tu ne crois même plus que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Si tu ne crois plus à ça, si tu doutes sur ça, moi, mon frère, ma soeur, refais la prière d'acceptation du Seigneur Jésus pour raviver l'esprit en toi. Nous allons aller dans le psaume 15, psaume 5, verset 12. Je sens vraiment beaucoup de gens ont perdu leur joie. Ils ont maintenant des regards, des visages qui laissent à désirer, mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Moi, je refuse que mon frère, ma soeur, tu restes toujours dans cet état-là. Psaume 5, verset 12. La parole de Dieu déclare, « Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours. » Et tu les protégeras, tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Est-ce que tu aimes le nom de Jésus? Amen. Amen. Comment se peut-il que tu aimes le nom de Jésus, mais tu n'es pas constamment dans l'allégresse? La Bible dit, ils seront dans l'allégresse, ils auront de l'allégresse à toujours, à toujours. C'est-à-dire qu'en permanence, normalement, tu dois être dans la joie. Tu as perdu le fruit du premier amour de Jésus. Tu as perdu l'amour que tu avais pour Dieu. Et c'est pour cela que tu as perdu cette joie. Est-ce que la Bible ment? La parole de Dieu ment? Non. Quand Dieu dit toujours, c'est toujours.
Comment ça peut dire que tu n'as plus la joie? Parce que tu as perdu le fruit du premier amour, l'amour de du nom du Seigneur. Pour ceux qui aiment ton nom, si tu as perdu l'amour du Seigneur, l'amour de le servir, l'amour d'aller à l'église, il y a des gens qui ont l'impression qu'on les force même de venir à l'église. Tu as perdu l'amour de Dieu. C'est pour cela que tu n'es pas dans la joie. Quand on aime Dieu, la joie ne peut être que là en permanence. Tu servais peut-être à l'église là où tu étais avant, en Afrique, je ne sais pas dans quelle nation. Aujourd'hui, tu es arrivé en France, tu n'as plus le temps pour Dieu. Tu viens à l'église et quand tout va mal, est-ce que c'est ça l'amour de Dieu? C'est bien écrit pour ceux qui aiment ton nom. C'est là où on voit comment quelqu'un aime Dieu. Oh, la joie est obligée d'être dans ta vie. Parce que dès qu'on parle de Dieu, tu es là. Papa? Dès qu'on parle de la prière, tu es là. Et c'est... L'amour de Dieu n'est plus dans ton cœur. C'est maintenant l'amour par intérêt. Ça veut dire que tu viens devant Dieu pour dire, bon, aujourd'hui, je vais quand même à l'église. Peut-être que Dieu va me dire quelque chose. Ce n'est plus de l'amour que tu as pour Dieu. Et c'est pour cela que tu n'es plus dans la joie. Parce que tu as remplacé l'amour du monde, l'amour par intérêt. L'amour du monde, c'est que, bon, je vais voir un ami parce que peut-être qu'il va me filer un petit 10 euros, 20 euros. Mais l'amour de Dieu, ça se voit. Le Seigneur te dit ce matin, tu as perdu son amour. C'est pour cela que ta joie a disparu. Tu n'as plus de joie. Tu ne fais plus rien dans la maison de Dieu. Tu ne le sers plus. Tu ne t'occupes plus de ses affaires. Pour toi, Dieu signifie dimanche. Peut-être que Dieu va me bénir. Si je vais aujourd'hui, peut-être que j'aurai une parole prophétique. C'est bien tout ça. Mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, du nom de Dieu, c'est pour cela que beaucoup perdent la joie du Seigneur. Amen. Moi, quand je sais qu'aujourd'hui c'est dimanche, je n'ai qu'une seule envie que lundi passe. Parce que mardi, je sais que j'ai prié. J'ai mon cœur qui est dans la joie. Je suis excité. Est-ce que tu vis ça, toi, en ce moment? Que quand tu es samedi, tu dis demain, c'est dimanche. Ton cœur, tu dis là, il faut que je me prépare déjà pour dimanche. Mon frère, ma soeur, beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu l'amour de Dieu. Tu viens à l'église parce que tu as envie d'être béni. Mais tu n'aimes plus Dieu. Et c'est pour cela qu'on ne fait plus la différence hein, quand un païen et un chrétien sont ensemble. Ça se voit par ça aussi. C'est pas ça que Dieu veut de toi. Pour que l'amour de Dieu soit ta force, pour que la joie du Seigneur soit ta force, il faut d'abord aimer le nom du Seigneur. Amen. C'est pas seulement demander, Seigneur, donne-moi la joie. Il ne pourra plus te donner parce que tu n'aimes pas son nom. Beaucoup ont oublié même que Jésus revient bientôt. Beaucoup ont oublié que le ciel existe. L'enfer existe. Beaucoup ont oublié, ils se sont plus concentrés sur les choses de la terre. C'est bien de se concentrer sur les choses de la terre. Mais est-ce que tu as gardé l'amour de Dieu qu'un jour, si tu meurs aujourd'hui, où tu iras? L'amour de Dieu n'est plus là. C'est pour ça qu'il n'y a plus la joie. Les gens ne sont plus excités quand on dit il y a prière, il y a jeûne et prière, il y a enseignement. Les gens ne sont plus excités, ça ne les percute pas. Et Dieu développe en toi aussi les fruits de l'esprit, comme j'ai cité tout à l'heure, quand tu as l'amour du nom du Seigneur, quand tu aimes Dieu, c'est pas j'aime Dieu de la bouche, on le voit par les actes, et c'est là où Dieu aussi ramine cet amour en toi. Le Saint-Esprit veut parler à quelqu'un ce matin. Tu as perdu la joie parce que tu as perdu l'amour que tu avais pour Dieu. Les soucis de la vie, le fait de trop chercher des choses, t'ont fait perdre l'amour de Dieu. Tu n'as plus le même amour. La même excitation que tu avais avant quand on disait tu veux te convertir. Tu es là. Tu as envie de tout aller à l'église. Tu as envie de servir Dieu. L'amour de Dieu se manifeste par ça. L'amour de Dieu, c'est pas je viens dimanche au culte. Là, tu deviens maintenant religieux. Le religieux vous dit, bon, j'étais habitué comme je viens dimanche. Je fais avec. Mais l'amour de Dieu te fait vivre toujours des expériences extraordinaires. Quand tu as l'amour de Dieu, Dieu te fait vivre des choses extraordinaires chaque semaine. Tu es tout le temps en train de vouloir servir Dieu.
Même étant à la maison, tu as toujours dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Et l'amour de Dieu, forcément, dépose la joie en toi. Ce matin, le Saint-Esprit parle à quelqu'un. Si tu as perdu l'amour de Dieu, à cause de ceci, je sais, moi, je suis passé par cette nation. Je suis ici, je connais les difficultés. Mais pourquoi je suis là? Pourquoi je sers Dieu? Parce que j'ai refusé. Je dis, Seigneur, je ne veux pas perdre ta joie. Je veux continuer à te servir. Si tu as perdu l'amour de Dieu, tu as perdu cette joie. Comme j'ai bien lu au début, Néhémie disait, l'amour, la force, la joie du Seigneur est ma force. L'Éternel est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Où tu t'es arrêté? Qu'est-ce qui te fait maintenant aujourd'hui te garde maintenant la tristesse? Qu'est-ce qui t'a arrêté depuis que tu as commencé à servir Dieu et que tu n'as plus cette joie du Seigneur? Parce que c'est Dieu qui la donne. Dieu ne donne pas la joie à n'importe qui. Il donne à quelqu'un qui a de l'amour pour lui. Si tu as juste l'intérêt pour Dieu, c'est pour cela que tu ressens maintenant aux gens du monde. Tu es maintenant la triste comme les gens du monde parce que tu n'as plus l'amour de Dieu. Alléluia. Sur quel banc tu t'es arrêté? Qu'est-ce qui t'a arrêté et qui t'empêche aujourd'hui de raviver l'amour avec Dieu? J'entends souvent les gens dire à l'époque quand je servais Dieu, mais tu es chrétien ou tu n'es plus chrétien? Quelle époque? Ça doit être en permanence. La Bible dit ça toujours. Ils auront de l'allégresse à toujours. Aujourd'hui, tu me parles de l'époque quand je viens de me convertir. Est-ce que la Bible dit que Dieu ne change pas? Il est le même hier, aujourd'hui, éternel. Ça veut dire que cette joie doit être à toujours. Pourquoi tu me parles d'époque? Ah, quand je venais, il y a tant d'années. Mais Dieu ne change pas. Comment se fait-il qu'aujourd'hui tu as perdu cette joie? Mon frère, ma soeur, le Seigneur parle à nos cœurs ce matin. Prenons les choses du Seigneur au sérieux. Sinon, tu vas devenir comme les gens du monde. Et tu vas, à un moment donné, tu vas commencer à renier Dieu. Parce que quand tu continues comme ça, tu continues dans les mêmes choses ténébreuses que lorsque le diable te tient. À un moment donné, tu vas dire, maintenant, je renie Dieu. Parce que c'est ce que le Seigneur, le diable fait. Tu perds la joie. Ça ne va pas se limiter par la tristesse. Après, ça va passer par des choses tordues, des choses bizarres. Et puis, le diable va te dire, oh, mais Dieu ne peut rien faire. Et tu vas commencer à renier Dieu. Tu vas dire, ah, Dieu n'est pas si puissant que ça. Et tu vas commencer à faire des pactes à gauche, à droite. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu pour toi. Dieu veut ta joie. Dieu veut ta paix. Dieu veut ton bonheur. J'ai des projets de paix et non de malheur pour toi. Pourquoi tu es dans le malheur en ce moment? Parce que tu n'as plus l'amour de Dieu dans ton cœur. Amen. Amen. Il y a même des gens qui le forcent même à servir Dieu. Et maintenant, là, je me dis, mais Seigneur, les gens ne se rendent même pas compte. Tu lui dis, sers Dieu, tu as l'impression que tu lui demandes quelque chose. L'amour de Dieu est parti. Tu appelles quelqu'un au téléphone, tu es où? Tu fais quoi? Tu ne viens plus à l'église, c'est comme si on le commandait. Parce que l'amour de Dieu est parti. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus de joie. Donc, ils essaient de chercher, de s'accrocher dans les joies éphémères, les joies du diable. Qui te donne un petit truc. Mais Dieu ne t'appelle pas des petits trucs. Sors de ça au nom de Jésus. Amen. Dieu ne t'appelle pas ces petites choses-là que tu es en train de grignoter. Les petites joies qui sont éphémères. Dès que tu as un petit travail bricolé, tu dis oui, amen. Ah, je suis content. Dieu m'a béni. Quel Dieu! Il faut revenir à la racine. Reviens à ta racine. Reviens au début de comment tu as commencé à aimer Dieu. Comment Dieu a fait de toi la joie dans son cœur? Comment Dieu ça t'a donné cette joie-là? Reviens. Le Seigneur te dit, reviens. Reviens à ton départ. Parce que le chemin que tu es en train de suivre, le chemin des grappillements, tu grappilles. Dès que tu as un petit diéro, tu es dans la joie, après il n'y a plus ça. Ce n'est pas ce que Dieu t'amène. C'est des miettes que tu es en train de vivre en ce moment. Des miettes. Tu es en
en train de vivre les miettes, ça veut dire que tu es là en train de tirer les choses, alors que la joie du Seigneur, l'amour de Dieu, peut t'amener plus loin de ce que tu es là. Parce que tu suis le mouvement de qui? La personne que tu suis le mouvement, la personne elle aime le Seigneur. À qui tu suis le mouvement? Gloire à Dieu. Merci Jésus. Reviens au fruit du premier amour. Tu as perdu cette joie-là parce que tu n'aimes plus Dieu. Tu n'aimes plus Dieu. C'est triste de le dire ce matin. Mais quand on voit comment les églises sont vides, comment les gens vivent, les chrétiens vivent en ce moment, tu entends même je prie à la maison. Tu pries à la maison? Tu n'aimes pas Dieu. Parce que quand Jésus est parti, il a dit les clés du séjour de la mort ne prendront au point sur mon église. Donc Dieu, Jésus-Christ a laissé son église. Sinon tout le monde reste à la maison. Et après on t'amène dans les raisonnements étranges. Oui, l'église c'est nous. Mais l'église c'est nous. Mais l'église c'est nous rassemblés. L'église c'est pas individuellement chacun chez soi. L'église c'est quand on est rassemblé comme on est là ce matin. Et c'est là où Dieu envoie sa bénédiction. Que chacun de nous rentre en soi-même, mon frère, ma soeur. Tu as assez peut-être joué avec le Seigneur. Mais le Seigneur t'a dit ce matin, il y a encore la possibilité de revenir et d'acquérir cette joie. Mais ça conditionne son amour. De l'aimer vraiment. Tu dis, Seigneur, je veux recommencer à t'aimer comme je t'ai aimé dès le début. Amen. J'aimerais que chacun de nous, tu prends un temps. Que tu dis, Seigneur, je suis tombé où? Redonne-moi l'amour. L'amour de ton nom. Que quand on dit, je prie, je suis là. Quand on dit enseignement, quand on dit évangélisation, quand on parle de ton nom, redonne-moi ce feu d'amour pour ton nom, afin que ma joie soit parfaite. J'aimerais que chacun de nous, tu prends un temps, tu élèves la voix, tu parles à Dieu. Je vous laisse une minute à deux. Nous allons tous élever la voix. Nous allons tous parler. Tu vas parler à Dieu, dis Seigneur, j'ai perdu l'amour. Aujourd'hui, l'amour, je crois que je t'aime alors que je ne t'aime même pas. Je ne me soucie même pas de ton œuvre. Je ne me soucie même pas des gens qui meurent autour de moi. Je me soucie que de ma petite vie. Il n'y a que moi que je pense. Je pense qu'à mes enfants, à mon mari, à mes femmes, à ma ceci, à ma cela. Je n'ai plus d'amour, Seigneur. Parle à Dieu. Dis, Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de t'aimer de nouveau. J'ai besoin de te recommencer à t'aimer, Seigneur. J'ai perdu la joie que tu m'avais donnée. J'ai perdu cette joie parce que je ne t'aime pas, Seigneur. Parce que je ne t'aime plus, Seigneur. Donne-moi, redonne-moi l'amour de ton nom. Ta parole dit que il se rend dans la joie, dans un sujet de joie, pour ceux qui aiment son nom. Donc la parole de Dieu ne ment pas. Prie, élève la voix, prie au nom de Jésus. Parle à Dieu. Seigneur, nous te demandons pardon ce matin. Lorsque nous avons cru que nous t'aimons vraiment, mais nous ne t'aimons pas du tout. Nous préférons des paroles, Seigneur, en disant, Seigneur, je t'aime. Mais lorsque nous posons des actes, nous posons des actes des gens qui ne t'aiment pas. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur, même pour ma propre vie, Seigneur. S'il y a des endroits que j'ai montré que je ne t'aime pas, que j'ai pensé à ma petite vie, à ma situation, Seigneur, c'est pour cela que mon frère et ma soeur ont perdu la joie. La joie que tu donnes lorsqu'on t'aime. Seigneur, redonne l'amour de ton nom à mon frère, à ma soeur. Seigneur, je sais que tu as sélectionné ton peuple ce matin. Tu connais la situation de tout un chacun. Là où mon frère et ma soeur s'est limité. Là où il est assis. Là où il s'est assis, Seigneur. Là où le diable a réussi à voler cet amour pour toi. Redonne l'amour à mon frère pour ton nom. Car ta parole déclare que ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours. Et tu les protégeras. Et tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Seigneur, demande aussi pardon à Dieu. Tu dis, Seigneur, je me suis rendu compte que je ne t'aime pas vraiment. Que j'ai plus cherché les bénédictions alors que tout était dans ton amour. Toutes mes bénédictions sont dans ton amour.
Seigneur, pardonne mon frère, pardonne ma soeur ce matin. Seigneur, pardonne pour l'ignorance. Pardonne-nous ce matin, Seigneur. Nous te supplions, Père. Je te supplie pour mon frère et ma soeur, redonne l'amour. Redonne l'amour de ton nom dans, ton, dans son cœur. Ces premiers moments, lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsqu'on a reçu Jésus, quel amour, quelle joie de connaître Dieu. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur a perdu, Seigneur, redonne, Père, je te prie. Je te prie, Seigneur, pour ma soeur, pour mon frère ce matin, pour ton église même en général, Seigneur. Ce matin, je prie pour ton église. Redonne la joie du premier amour. Redonne l'amour de ton nom dans nos cœurs. Redonne-nous ce matin, Seigneur, cet amour. L'amour de ton nom. Que lorsqu'on entend parler de Jésus, on est dans l'euphorie. On est dans l'enthousiasme. On est dans la joie de te connaître. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, on parle de Jésus. Tu as l'impression qu'on va en deuil. Tu as l'impression qu'on va enterrer quelqu'un. Alors que ça peut être une joie d'avoir Jésus dans nos cœurs. Seigneur, redonne l'amour de ton nom à mon frère ce matin, ma soeur. Que quelque chose de nouveau se passe dans sa vie, dans son cœur, parce que tout est à l'intérieur. Tout est dans cette joie. Tout est dans cet amour pour ton nom. Seigneur, redonne au nom de Jésus. Je prends autorité, Seigneur, sur tout ce que l'ennemi a mis comme barrière, comme joug qui empêche mon frère, ma soeur, d'avoir l'amour de Dieu dans son cœur. Au nom de Jésus-Christ, je brise ces barrières. Je détruis, Seigneur, ces limitations. Je détruis tous ces jougs que le diable a placés dans le dos de mon frère, dans le dos de ma soeur. Je brise cela au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. On va se lever. On va se lever maintenant que tu as parlé à Dieu qui te redonne. Parfois, il y a les ténèbres quelque part. Parfois, tu ne sais même pas pourquoi aujourd'hui tu n'as plus l'amour pour Dieu. Peut-être que c'est une forme d'envoûtement qui fait ça. Il y a des gens qui peuvent être envoûtés, mais Dieu, comme ils ont été envoûtés, on a placé un esprit d'assoupissement, un esprit qui fait en sorte qu'ils n'aiment plus Dieu, ils n'aiment plus les affaires de Dieu. Amen. Mais la parole de Dieu dit dans Ésaïe 60, verset 19, « Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. » Amen. Peut-être que tu ne sais même pas pourquoi tout d'un coup tu t'es refroidi ou tu n'aimes plus Dieu. Tu n'aimes plus les affaires de Dieu. Comme je dis, il y a plusieurs raisons. Quand tu as fait la rétrospective, tu as regardé, tu dis, pourtant il n'y a rien, mais comment ça fait si je ne peux même plus, j'ai du mal maintenant à servir Dieu, j'ai du mal à aimer Dieu, j'ai perdu ma joie. J'aimerais que Dieu soit ta lumière ce matin. Amen. Que Dieu t'éclaire. Tu vas élever la voix, tu vas dire, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie avec toi. Dans ma relation avec toi, j'ai du mal à prier. J'ai du mal à m'occuper de tes affaires, à te servir. J'ai besoin que tu m'éclaires. Je veux ta lumière dans cette situation. Amen. Donc tu vas élever la voix, tu vas demander la lumière de Dieu. Tu dis à le Seigneur de t'éclairer. Tu dis, Seigneur, éclaire-moi dans cette situation. J'ai compris que c'est primordial d'être aimé et d'être dans la joie. Mais j'ai besoin que tu me montres, que tu éclaires cette situation-là. Élève la voix, commence à prier. Commence à prier, batte les mains. Je vais voir les gens qui commencent à prier ce matin avec puissance. Tu dis, Seigneur, élève, montre-moi. Éclaire-moi, Seigneur, dans cette situation. Éclaire-moi dans ma relation avec toi, Seigneur. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie spirituelle. Et pourtant, j'entends la parole de Dieu. J'écoute les prédications. On m'exhorte, on m'invite, on m'appelle, mais parce que je n'arrive plus à voir cet amour. Seigneur, montre-moi. Dis-le au Seigneur de t'éclairer ce matin. Seigneur, éclaire mon frère, ma soeur ce matin. Éclaire-nous, Seigneur. Montre-nous quelles sont les ténèbres qui empêchent mon frère, ma soeur d'avoir la joie de pouvoir t'aimer sincèrement. Éclaire mon frère, ma soeur ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Éclaire mon frère. Éclaire ma soeur, Seigneur. Montre-lui quelles sont les difficultés. Pourquoi il a du mal? Ou elle a du mal maintenant à t'aimer, à te servir. Éclaire ces ténèbres. S'il y a des ténèbres quelque part, tout un homme ou une femme, tout un agent satanique qui travaille pour que je ne puisse plus aimer Dieu, Seigneur, éclaire-nous ce matin. Éclaire mon frère, éclaire ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Parce que tu es le Dieu de lumière. En toi, il n'y a pas de ténèbres. Certes, tu as créé les ténèbres, mais les ténèbres ne sont pas en toi. Alors, Seigneur, fais du bien à mon frère, ma soeur. Éclaire-le ce matin. Demande à Dieu de t'éclairer. C'est primordial. C'est primordial dans ta vie de servir Dieu, de l'aimer, de garder cette joie-là. Cette joie qui amène la protection de Dieu. Dis, Seigneur, éclaire-moi. Toi qui es le Dieu des lumières, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Mais toi qui connais les choses cachées, éclaire-moi pour la situation, cette situation-là. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour la grâce que tu m'as fait encore de parler en ton nom ce matin. Seigneur, que Seigneur, cette parole qui a été libérée puisse faire la joie de mon frère. Que vraiment qu'il y ait un revirement total dans leur vie. Qu'ils comprennent que Seigneur, tu as des projets de paix et non de malheur pour eux. Seigneur, je te prie pour la joie, pour l'amour de ton nom. Pour ces éléments, Seigneur, que tu continues à diriger mon frère, ma soeur ce matin. Et tout au long de cette semaine, que cette méditation soit forte dans leur cœur. Et que tout ce qu'ils ont reçu ce matin, que je rejette les plans de l'ennemi sur leur vie. Au nom de Jésus, tu les as appelés, Seigneur, à te servir, à être consacré à toi, à marcher pleinement dans ta puissance et dans ta gloire. Mais voilà le niveau où le diable les a placés pour les empêcher d'être, de vivre dans ta gloire et dans ta puissance. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je brise toutes les chaînes qui empêche que mon frère et ma soeur puissent avoir la joie du Seigneur et l'amour de Dieu dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci pour ton œuvre, parce que ta parole ne retourne pas vers sans accomplir ce pourquoi elle a été libérée. Amen. Merci pour la joie. Merci pour l'amour que tu ravives dans nos cœurs, pour l'amour de ton nom que tu ravives ce matin dans nos cœurs et la joie que tu installes toujours dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que tout le monde peut dire un grand Amen et acclamer le Seigneur? Merci Seigneur, merci. Que toute la gloire te revienne, Seigneur.